do your fair the modern world. Bonjour tout le monde. Arjen Lucassen est un grand malade. Non content de composer dans Iron Star One, Stream of Passion, The Gentle Storm ou sous son nom, il s'est embarqué dans Supersonic Revolution avec John J.C. Quipers, Timo Sommers, Cohen Erft et Just Van der Broek. Le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'Arjen tient ici le poste de Bassiste. Bassiste What the fuck Si Arjun est un grand malade, je ne vaux guère mieux puisque dès qu'il sort un truc, je le précommande. J'ai quand même hésité quelques secondes avec Supersonic Revolution, car le premier extrait et son clip flashy à l'animation un peu cheap m'avaient refroidi. N'empêche, j'ai craqué et me voilà devant un album aux couleurs qui piquent et aux sonorités 70s. 70s, oui, mais certainement pas progressive à la manière de Genesis, plutôt Deep Purple si vous voyez la nuance. Oui, ça dépote. Une heure huit de musique, 15 morceaux, dont 4 reprises, ici on donne dans les titres expresso. Où l'on reconnaît la pâte de Juice très inspirée par Aaron, ainsi que l'inimitable jeu de basse de Arjun. Oui, là, je déconne. Jesse rêvait de monter un groupe avec Arjun. Ben voilà, c'est fait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il rentabilise cette collaboration. Vous allez l'entendre ce rocker aux cheveux bouclés qui chantait sur The Final Experiment. Car Golden Age of Music n'offre pas beaucoup de respiration, sauf peut-être dans Odyssey, Fight of the Century et Holy Holly Ground. L'album est un hommage à la musique des 70s et à ses artistes. Chaque morceau évoque un groupe, un album ou un titre emblématique de ces années-là. Et c'est dans le livret que vous trouverez les clés, car les compositions de Vol, même si elles incorporent quelques indices, sont dans la veine des tubes grandiloquents de Agil. Normal, ceci dit au passage. C'est lui qui a tout écrit et composé, sorti du prélude que l'on doit à juste. Si les musiciens font du très beau boulot sur ces 15 morceaux, je suis moins convaincu par le mixage et la production un peu terne qui manque de mordant, que ce soit sur le vinyle ou le CD. Vous voulez sans doute connaître mon morceau préféré vous en êtes certain. Ben... C'est le dernier. Love it all. Comment ça, c'est une reprise Mince. Ah, c'est moche. Pas à dire les compositions des seventies, c'était quand même quelque chose. C'est sympa de copier ces années-là, mais bon, rien ne vaut l'original. Après plus d'une heure de clavier vintage rugissant, de chants à donf, de guitare et pas vraiment de pause, je suis sur les rotules. Au moins dans le dernier A-Run, il y avait des endroits où souffler un peu. Golden Age of Music n'est pas un mauvais album, loin de là, mais il est un peu trop long et trop dense. Dans les 70 on pressait des vinyles de 45 minutes maxi, et c'était bien assez. Alors évidemment, si vous êtes comme moi, un inconditionnel de Arjun Anthony Lucassen, je suis certain que vous l'avez déjà acheté, sinon écouté, et peut-être même adoré. Pour les autres, Écoutez un peu avant quand même. On ne sait jamais. C'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel album. Allez bisous